Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Prochaine élection, yo, cadre fait le 26 septembre. Bamba ou réalité en tant qu'auditeur. Techniquement, m'a répété encore. Techniquement, toutes conditions réunies pour faire référendum, non, élection présidentielle, élection législative le 26 septembre. Son grand problème que nous avons dans à peu près 4 communes ou 5 communes dans le département de l'Ouest, là, que nous avons les zones métropolitaines, Tabar, Cité Soleil, Carrefour et La Trier, côté Sahara, ou un problème de sécurité. Jodia n'a pas les larmes, c'est 3 août qui est lié. Nous avons besoin exactement 15 à 21 jours pour résoudre le problème ça. En 2006, il y a eu un problème dans la zone métropolitaine. Il y a eu une série de gangs qui ont fait l'opération Bagdad 1, Bagdad 2, opération Parc-Atan. Dans l'opération Sahara, Bagdad 1, il était tué 1241 personnes. Opération Bagdad 2, il était tué 935 personnes. Toutes deux opérations Bagdad 2, il était kidnappé à peu près 780 personnes. Il a été violé à peu près 600 femmes. Eh bien, en 2 semaines, la police mettait avec soldats brésiliens, il a crasé toute gang ça en 2 semaines. Donc ça veut dire que petit problème de sécurité, nous gagnons dans une zone Cité Soleil, Village de Dieu, nous avons crasé ça en 2 semaines et demie, 3 semaines, avec l'aide du Brésil. Donc, a indiqué, si nous faisons élection, a indiqué, on dit nous faisons premier tour en septembre, nous faisons deuxième tour en novembre. Pas aucun problème si constitution nouveauté oui pour changer le système non, 15 jours après l'en vigueur. Si nous pas voter constitution nouveauté non contre lui et ancien constitution 87 amendé après en place. Et depuis l'élection, conformément à la constitution, deuxième lundi 2 janvier, 51e législature. Et 7 février 2022, 59e président. Et c'est pour ça, pas gain aucune provision dans la constitution pour mettre aucun président provisoire. Parce que je dis à l'article 149 là, très clair dit, son président mourit, c'est conseil des ministres, le premier ministre là, qui remplit le pouvoir exécutif là. Et jusqu'à ce qu'il fasse élection. Si l'élection n'est pas faite dans 120 jours, l'Assemblée nationale là doit décider. Je dis à pas gagner l'Assemblée nationale depuis janvier 2020. Du Sénat qui était pas aucune autorité constitutionnelle. Et pour faire un, et vous ça depuis janvier 2020, journée aujourd'hui, il est arrivé journée aujourd'hui, on va en faire un. Et jusqu'à ce que le mandat soit fini, deuxième lundi de janvier. Donc, journée aujourd'hui, si nous voulons retourner le pays à l'ordre constitutionnel, nous devons faire élection. Même pas un problème, il faut faire un retard, il faut soit en octobre ou novembre, ou lieu de fête et 26 septembre. Mais quand il est arrivé à Paris, il y a 5 700 000 personnes qui ont enregistré pour aller voter. Et techniquement, toute mise en place sur fait et son grand problème qui gagne non grand département dans 5 ou 6 communes zone métropolitaine là et son bail nous ca résoudre dans 3 semaines pas rien qui doit empêcher moun aller dans l'élection là jodi a nous l'en Pétionville CNE la caille rivé dans Pétionville CNE la caille té martissant l'un des saute martissant nous té quoi beau sale. Nous faisons la saline. Dans le marché Kwabo Sal là, CNE te distribué pelle, bourrette, balai. Nous te fait même genre dans le marché Salomon. Nous distribué pelle, bourrette, balai. Jodi a CNE la caille rivé dans la commune Pétionville. Nous pote pelle, nous pote bourrette, nous pote râteau. Nous portons balais pour marché Pétionville, pour commune Pétionville, et que responsable commune, responsable marché Pétionville, jodi, à partir de jodi, yo gagné des matériels légers, autrement dit bourrette, pelle, etc., pour que yo capable d'échouquer Fatra dans le marché et dans la commune Pétionville. Problème Fatra, l'imandé pour que l'y aborde en profondeur. Parce que malgré effort, CNE fait deux concerts avec les mairies.
Premier ministre Ariel Henry visité lundi 2 d'août là, local cour supérieur des comptes avec contentieux administratif. Docteur Ariel Henry souligné importance institution ça, lui dit qu'il joue un gros rôle dans contrôler action et dépenses l'État. Premier ministre l'a encouragé juge continuer travail dans respect la loi. Mais extra dans micro Lounel Jean-Louis avec Hervé Pierre. La Cour des comptes sont institutions qui sont essentielles, qui sont importantes pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État à faire au niveau des finances. Il est important aussi pour le bail justice, la justice dans l'administration, justice administrative. Nous devinons où est la Cour des comptes et nous avons conscience de travail avec eux pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait, parce que nous croyons que l'État n'a pas qu'à marcher sans le pas contrôle. Ça a eu les rédition des comptes. C'est-à-dire que l'État a fini de dépenser l'argent et même avant de le dépenser, il faut gagner des contrôles sous lui. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que yo kembe, yo bay rapport, yo bay jugement et qui permettent que l'État pas fin dérailler. Jodi an, président, nous disons merci pour ça ou fait pour nous. Ou kembe paysan non certaine direction. Et nous devons dire tout que nous disposer conformer nous à la loi, tendez à vie, soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. Sous papal, président Cour supérieur des comptes à contentieux administratif, Rogaville Boisguené, salier initiative Premier ministre Ariel Henry prend pour visiter la Cour. Maître Boisguené, quoi, visite ça, viser, renforcer institution. De l'autre bord, il souhaitait gouvernement prendre en considération recommandation Cour des comptes à bien pour faire dans cadre projet contrat. Toujours dans le micro, Lounel Jean-Louis avec Hervé Pierre. Nous avons échangé sur ensemble de points que nous estimons qui est indispensable si nous voulons gagner un pays qui chita sous reddition des comptes, qui chita sous l'état de droit, qui chita sous rôle et attribution chaque monde doit jouer. Et le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi. C'est un gouvernement qui a pris en considération les remarques et les recommandations de la Cour, que la Cour a bien pour le produit son ensemble de rapports et son ensemble de documents que vous soumettez. Les Cour a émis des avis sur des projets de contrat. Il prend engagement pour rencontrer le reste gouvernement pour demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi, et pour être capable de permettre que le pays soit sorti dans le marasme économique qu'il y a, que le pays soit sorti dans la situation que tout le monde connaît qu'il y a. L'autre nouvelle, processus correction examen 9e année a commencé 2 d'août là. Après le dia, responsable a commencé à mettre code et puis retirer souche sous feuille examen. Directeur adjoint direction départementale éducation l'Ouest là, Jean-Ernest précisé yo démarrer avec première phase correction yo. Professeur Ernest fait connait mercredi 4 d'août là, il a commencé à processus se mettre code à retirer souche sous feuille examen baccalauréat. Responsable dans ministère éducation nationale et formation professionnelle promet avant longtemps y a publié résultat examen. On tire extrait. Hier processus et codage et de souchage des textes démarré. Jeudi à là pendant la palais là nous entamé première phase correction qui c'est mathématiques. Demain mercredi, nous apprenons science expérimentale, ainsi de suite. Baccalauréat, vous connaissez, il y a une pile de difficultés
pour te faire, mais finalement nous t'es arrivé à atteindre les 4 jours d'examen. Tu as eu des cas d'irrégularité qui nous t'es fait intervention pour nous te porter correction. Puis le problème par nous c'était du côté du département du sud, zone sud de Port-au-Prince. Effectivement, il y avait des dispositions qui ont été prises côté que Timon Sayo nous t'es fait des centres qui étaient rapprochés par rapport à Matissan, qui était dans la zone d'isotope, qui était facilité Timon Sayo, tant au niveau de la 9e année fondamentale qu'au niveau du bac unique, Timon Sayo était subi examen Sayo. Qu'on y a là, il y a plein de résultats. Koda et de Souchay, là, c'est une opération qui supposait durer 5 jours, mais nous mettait 6 jours au plus. Après ça, nous allons entrer ça dans les palmarès. Après palmarès, nous allons entrer dans la saisie pour nous arriver à publier la publication des résultats. Feuille dans de bonnes mains, correcteur répond, et après, jour publication des résultats. Opération nous enclenchée, mais normalement, opération par nous, c'est une opération qui va aller sur environ une quinzaine de jours. On est là, c'est phase saisie, nous allons publier les résultats avant et la fin du mois d'août. Centre Misé Haïti, dans tête collée avec divers autres partenaires, lancé lundi 2 d'août 2021, deuxième édition concours national dissertation. Concours ça a déroulé sous thème insécurité, violation droit moun en Haïti. Initiative ça doit permettre participants qui dans classe nouveau secondaire 2, 3 à 4 joignent plus bon niveau écriture non dissertation. Organisateur précisé c'est sous Internet, concours ça a déroulé. Un excellent micro, Midray Milias avec Max Joseph. Encourager élèves qui dans nouveau secondaire fait dissertation sur violation droit moun dans le pays d'Haïti, c'est le principal objectif concours ça, selon responsable dans Centre Muse Haïti. Représentant Loop Haïtia, qui est un média en ligne, Raoul Junior Lockfis promet pour accompagner élèves yo pour yo capable by plus performance. On utilise le concours là dans l'écriture à publier l'esprit pour inciter les jeunes à réfléchir sur le gouvernement d'accueil. Par exemple, il y a un élément qui est actuel, qui a la vie qui occuper l'esprit majorité de l'engagement et je vous ai dit à l'intérieur que l'insécurité et l'insécurité à conséquence liée sur monde, les gens parce qu'ils violent par exemple droit fondamental, nous gagnons par exemple droit pour nous circuler, nous gagnons droit pour nous gagner par exemple pour nous aller coopérer dans le pays. Donc situation ça nous interpelle nous dans l'ensemble de la vie par rapport à l'objectif pour la protection de droit monde. Et donc, nous utilisons moyens, c'est le concours national de dissertation, qui, je vous l'ai dit, c'est la deuxième édition concours pour capable inciter les élèves, surtout nous, c'est les élèves catégorie sentiment second, arrivés dans Pilo, ça nous prend les deux pour NSA. Représentant Edupol, inspecteur divisionnaire Jimmy François, bat bravo pour l'initiative ça. Il souhaitait autorité dans l'État yo accompagner activité ça yo. Nous-mêmes à travers la police communautaire du Pôle, nous toujours apprécier, encourager, soutenir toute activité intellectuelle, toute activité de l'esprit. Parce que nous avons une mission qui dévolue à nous-mêmes pour nous accompagner la jeunesse là. Nous sommes en train de combattre la délinquance dans le milieu scolaire là, mais nous avons accompagné la jeunesse étudiante là. Pour construire tête, pour forger caractère, pour construire personnalité, pour devenir des citoyens à part entière de demain. Élèves qui ont bien pour participer dans le concours, ça a bien pour choisir une parmi 5-6 responsables proposés. Participants capables d'écrire texte en créole ou soit en français. Co-directeur défenseur police là, Antonal Mortimer, souligne nécessité pour gagner un accord politique en dans pays. Responsable organisation droit moun lan souhaite gagner bon mes équipes pour résoudre problèmes insécurité à Lounel Jean-Louis pour un extrait. Je dis hein, bon priorité. Priorité hein, c'est sécurité moun en dans pays. Avant même moun goumen pour pouvoir pour garder qui est-ce qui a remplacé Jovenel, qui est-ce qui et comme on va faire l'élection, nous pensons qu'il y a une nécessité pour sécuriser le monde. D'ailleurs, dans le commencement de maintenant, que des quartiers habitaient au lever joint, des cadavres. Dans Matissan, jusqu'où il y a là,
il y a des gens qui ont observé, il y a des cadavres qui attendent pendant plusieurs jours, et des fois c'est chien qui a mangé le cadavre. Donc la situation ça n'a pas carré encore. Donc je dis à nous penser qu'on a nécessité pour qu'on marche contre, pour qu'on consensus qui joigne joindre autour de la sécurité dans le pays. D'ailleurs, les gens qui ont pouvoir, ils ont pouvoir pour qu'ils utilisent le peuple là. Mais lorsqu'ils ont des bandits finis pour le peuple, ils n'ont pas qu'à utiliser. Mais c'est pas seulement les gens qui ont le peuple, les gens qui ont la classe moyenne. Des hommes d'affaires tout yo pas en sécurité d'ailleurs crime yo touché tout le monde qui dans l'état tout yo gen famille yo gen des fois qui victime de sécurité. Deuxième élément qui dans notre plan nous te vle di moun protagoniste yo acteur yo nous te vle di aujourd'hui hein, l'état li presque effondré avec parlement haïtien qui pas fonctionné depuis 13 janvier 2020 ouais. Ça veut dire plus passer un an, six mois, pas de parlement opérationnel. Parlement, 10 sénateurs qui l'ont parlé chaque lègue, un événement politique, le 7 février et 7 juillet. Donc, comme pas de parlement, le pouvoir législatif n'existait plus, il n'est pas opérationnel. Et deuxièmement, le pouvoir judiciaire qui est représenté par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les cadiques depuis le 2 juillet. Et je dis là, tout dossier, notamment des gens fait recours. Recours en cassation, réquisé juge pour la cour de cassation, décider sur ça. Ce dossier est envoyé en calendrier grec. Ça veut dire pourquoi décider sur eux. En plus, à partir de la semaine dernière, nous avons les vacances judiciaires. Conseil des affaires, le tribunal n'a pas tendu, sauf les assises criminelles, sans avec assistant de jury qui a fait. Donc ça veut dire pour moi-même, pouvoir l'État est au plat à terre. En plus, dans l'exécutif, qui était loué de tête, c'est pour la première fois dans une situation côté chef exécutif pas présent. Ça veut dire nous pas de président de la République. Parce que nous avons un système présidentiel, nous avons un système présidentiel et parlementaire, nous pas un système premier ministre et parlementaire. Je dis là, il y a une situation anormale. Il ne faut nous pas faire un coup, Haïti est un pays normal. Je dis à Haïti pas normal, parce que le pouvoir public, le pouvoir l'État, regardez l'article 59, 60, 61 de la Constitution, il n'y a pas existé ou bien il n'y a pas fonctionné. En plus, pouvoir local, tout, depuis juin, juillet 2020, mandat tout Kazakh fini, mandat tout magistrat fini, mandat tout Azek fini, mandat tout délégué ville fini. Donc nous sommes pays qui a fonctionné avec des dirigeants illégitimes et même illégaux. Parce que ce n'est pas un cadre normatif illégal pour y mettre des dirigeants qui l'ont. Donc, qui fait, moi, nous disons troisième bagage dans le texte, nous avons nécessité pour jouer un accord politique pour nous venir dans la normalité constitutionnelle pour nous résoudre la crise institutionnelle nous avons là et pour nous capables, pour l'autorité, capables de satisfaire les besoins fondamentaux que les peuples haïtiens gagnent comme des droits, tant que droit à l'éducation, droit au logement, droit à la nourriture, droit à la protection. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, confirmé y a rencontré Premier ministre Ariel Henry. Question insécurité à élection et puis quelques problèmes pays a fait face actuellement, t'es sous table discussion. Jean-Robert Argan fait connaître, lui expliquer Premier ministre qui ça qui t'a dû faire pour porter amélioration par rapport à Jean pays a marché. Richardson Jordan. Pour nous, ça vous voit, nous, chaleureusement, et puis avec un langage, avec toute franchise, et puis vraiment très ouvert, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, et lui expliquer nous d'être le jeu, d'abord que les gagnants, mission, c'est fait, élection, c'est ça, mission principale. Li. Deuxième manière que les dirons, dans plus de mission, ça a pu gagner. Les femmes comprennent tout qu'il y a d'autres préoccupations. D'autres préoccupations, et notamment le fait que la sécurité a gagné le pays. Il y a la démotivation de la police, il y a le problème du Covid, il y a l'absence d'investissement. Et puis toute série de problèmes que nous connaissons que la ville, je dis. Je suis parlé comme préoccupation tout, en plus de sécurité, hein, le fait que des intégrations de l'État. Donc, alors, c'est une bonne préoccupation qu'il y a. Elle est liée pour vraiment essayer de faire avec Baïsal. D'accord? Et
mission principale, le même, c'est l'élection. Bon. Nous comprenons effectivement l'approche. Nous comprenons la volonté pour réaliser une mission sacrée. Hein. Et que nous-mêmes, nous sommes capables d'un certain appui. Mais appui nous à subordonner à d'autres conditions. Pour un moment, pour nous continuer à appui, je nous voulais baliner, et je nous commence à baliner d'ailleurs, c'est que faire tout ça le dire là, reprendre le pays pour retirer le gouffre fatal côté de l'IA, nous dit en pile. Pour un moment, nous dit que nous en place le gouvernement. Gouvernement de sauvetage national neutre. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui a plein, non pas pour assurer que le pouvoir, pour passer le pouvoir, ou pour un fait clair avec les clics. Non, un gouvernement de sauvetage national, le mot à son sens. Ministre Kilti à communication, Jean-Emmanuel Jacquet, visité mardi 3 d'août là, local télévision nationale d'Haïti. C'était occasion pour ministre l'en parler sous perspective pour redynamiser médias l'État. Rachel Sefort, compte rendu. Ministre Kilti à communication, Jean-Emmanuel Jacquet, dans quatre visites la télévision nationale d'Haïti, rencontré directeur général TNH Lagamal Augustin pour parler sous perspective gouvernement pour médias l'État. Ministre Kilti à communication plaide pour la dynamisation médias l'État pour permettre de représenter tout le monde, toute couche dans la société à travers la programmation. Nous avons une discussion avec le directeur général télévision et sous ça. Il y a un aspect que moi-même souligner et sous média ça, parce que quand même, je dis depuis avec ancien DGA, c'est un concept de média de service public, c'est à travers le monde, côté que un média tout public, ça veut dire que qui a servi tout le monde, ça veut dire tout le monde est placé là, ça veut dire par un média qui ciblait strictement l'État, la politique, etc. Je dis un média a besoin rajeunir. Et M. Chita, avec le directeur général Assoussa, nous avons besoin d'émissions pour jeunes, nous avons besoin de participation jeunes tout dans des émissions. Parce que c'est parce qu'on a des sensibilités, tant que nous-mêmes écrivains, nous pensons que pour une émission belle, il faut qu'il parle de livres. Pour nous dans la culture, il faut passer, je dis, à la culture avec le grand C, la culture avec le petit C. Donc, nous pensons que, je dis, à nous avons des médias de service public qui ont besoin d'intéresser à tout secteur, à tout monde, tout type de monde, toute catégorie. Au sous média, nous avons besoin des émissions pour tout le monde. Il faut des émissions jeunes, émissions de tout le monde, sous musique, showbiz, etc. Moi-même, c'est une bagarre que je demandais et directeur général là pour accentuer sous ça sur le côté jeune de la télévision nationale. Idem pour la radio nationale. Nous avons besoin d'émissions jeunes. Et je dis en parlant au contexte électoral. Nous avons besoin de faire ça monter carré ou sortir dans l'émission culturelle là, ou sortir dans le showbiz là, et puis passer dans l'émission politique là. Ou tout cas des jeunes là, ou tout cas des jeunes là, et bien ça, ou retourner. Parce qu'on a besoin d'une diversité. Parce que, sous garde d'émission Média d'État, qui c'est une mission d'éducation, d'information, de distraction, ça veut dire que Média n'est pas car c'est seulement politique. Politique, politique. Parce que les jeunes à regarder, ils disent, ah, c'est pas la politique malo là, c'est programme politique. Il faut que nous mixer Média. Nous dans la politique là, nous dans le jeune, nous dans le showbiz là, nous dans l'espoir, je nous toujours fait, nous dans le culturel là, nous dans le social là, nous dans la religion, nous dans le vaudou, etc. Dans le cadre de visite ça, ministre Jacquet mettait accent sur la stratégie gouvernement pour permettre les médias sociaux puis bien faire travail. À partir d'un cadre d'appui avec les médias émergents, le ministre Kilti à communication expliqué les médias sociaux a bénéficié d'accompagnement technique et financier qui permettent le plus efficace dans le travail. Le dossier plateforme Flambeau démocratique continue de justice pour président Jovenel Moïse. Responsable plateforme lundi, l'Ikwe Fogin, bonjour, enquête qui menait yon façon pour joindre moun qui des actes assassinat si la. Ministre Ariel Henry fait tout ça capable pour permettre élection faite en dans pays. Richard Saint-Jordan pour détails. Nous pas besoin de lunettes
pour nous écouter crime ça a sorti. Et je dis, la plateforme politique Flambeau démocratique croit que la justice haïtienne doit continuer à multiplier les efforts pour permettre que lumière capable de faire et justice capable de blâmer pour le peuple haïtien. Parce que assassiner Jovenel Moïse, c'est assassiner les gens qui ont tant aujourd'hui. Assassiner Jovenel Moïse, c'est assassiner ghetto, c'est assassiner paysan. Lumière de fait et justice de blâmer pour le peuple haïtien. Et comme ça tout, dans le niveau international, la plateforme politique Flambeau démocratique a demandé une enquête internationale indépendante pour capable de faire justice à président Jovenel Moïse. Faire justice à peuple haïtien. C'est comme ça, je dis, pays a connu des moments que peut-être auparavant nous pas jamais pensé nous t'apprend la donne. Parce que le président est clair, il faut yon l'autre référendum pour nous bailler peuple à l'attitude pour la dire est-ce qu'ils veulent l'autre constitution ou pas. Le président est mettant pile accent sur l'organisation des élections pour nous être capable remplacer personnel politique PIA et c'est la seule et unique manière pour nous remembrer institution nous et c'est à travers institution nous nous t'apprends remembrer PIA. Dans ce sens, plateforme politique Flambeau démocratique croit que l'on ne peut plus important pour nous continuer dans le même chemin ça, à savoir l'organisation pure et simple des élections dans un temps record pour permettre que le pays sorte dans l'incertitude ça. Conseil l'ordre avocat Port-au-Prince annonce tout avocat Mambawa ak personnel judiciaire Maître Claudie Gassan mouri samedi 31 juillet 2021. Maître Claudie Gassan est inscrit dans le tableau l'ordre là dans date 11 avril 2011 dans numéro 1981. Bawa rappelé Maître Claudie Gassan est occupé poste commissaire gouvernement juge instruction dans tribunal première instance Port-au-Prince avec le directeur général unité lead contre corruption. Dans ces circonstances pénible, conseil l'ordre avocat Port-au-Prince exprimé condoléances et sympathie by famille Gassan. Il profite invité membre corporation pour témoigner affection dans l'occasion finira et mettre là cap célébrer dans une date il y a bien pour communiquer. Nous avons annoncé l'identité pendant 10 derniers mois, année fiscale 2020-2021, direction générale impôts collecté plus passé 41,4 milliards goudes, selon directeur communication DGIA, Huguens Lubin. D'après Huguens Lubin, institution a déjà collecté plus passé 1,5 milliards goudes en plus des saillotés ramassées dans l'exercice fiscal 2019. 2020, John Herbie Cassis. Pour les 10 premiers mois de l'exercice, la DGI a déjà collecté plus de 1,5 milliard de gouttes par rapport à l'année dernière. Alors, c'est un fait marquant à signaler parce que il faut noter à deux mois de la fin de l'exercice, nous déjà dépassé performance exercice antérieur là de plus de 1,5 milliard de gouttes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette performance de l'administration fiscale dans un contexte aussi difficile que le nôtre? Nous sommes capables de dire rapidement, c'est grâce à un ensemble d'efforts que l'administration a conjugué
en termes de mesures pour rationaliser la gestion des contribuables, d'abord. Ensuite, pour renforcer l'efficacité du recouvrement des recettes de l'État, notamment des recettes au titre de retenue à la source de l'FDCA prélevées par les entreprises publiques. Deuxièmement, l'administration a fait en sorte de rationaliser les procédures d'affirmage des biens du domaine de l'État. On a renforcé le contrôle fiscal sur ce processus, ça qui te permet à l'administration d'engager des millions de gourdes auprès de contribuables qui jusque-là t'abjouent des biens du domaine privé de l'État sans payer un centime. L'autre nouvelle, organisation humanitaire Médecins Sans Frontières annoncée lundi 2 d'août là, li prend décision camper toute activité dans quartier Matissan. Médecins Sans Frontières expliqué, li prend décision ça à cause problème insécurité dans zone là. Situation ça a gain conséquence sur fonctionnement l'hôpital Médecins Sans Frontières dans zone ça, d'après coordonnateur terrain institution Désiré Kimanouka fait connait Médecins Sans Frontières capable toujours retourner dans zone Matissan si toutefois zak violence ta suspend. Organisation humanitaire besoin la paix établi pour porter soin bay population quartier Matissan d'après sa Désiré Kimanouka précisé. On suit un extrait. L'insécurité devient chronique, le risque d'incident soit pour nos personnels où nos patients deviennent de plus en plus élevés à cause de la guerre ou des affrontements continus entre les différents groupes armés de la zone. Malheureusement, après plusieurs discussions avec les différents leaders communautaires de la zone, on n'a pas reçu de garantie par rapport à la sécurité, non seulement du personnel, mais aussi des patients. Donc l'accès à la zone reste pratiquement difficile, non seulement pour nous, hein, mais pour tous les acteurs humanitaires qui essaient de traverser cette route-là, la situation est vraiment difficile. Et si jamais la sécurité retournerait, on pourrait voir dans quelle mesure, on pourrait voir s'il faut évidemment apporter encore des secours à cette population de cette partie de la capitale. Bon, les employés MSF, bien sûr, depuis quelques mois, ils sont à la maison. Nous, on continue à réfléchir dans quelle mesure on peut avoir évidemment à délocaliser nos activités dans d'autres parties de la capitale. En fait, on avait suspendu au départ pour une semaine le temps de voir un peu ce qui se passe, ben, voilà, de discuter avec les différents leaders. Évidemment, on a compris que c'est compliqué. La situation va de mal en pire. Non seulement pour nous, en tant que acteurs humanitaires, mais aussi pour les patients. Parce qu'il faut savoir que il y a eu beaucoup de patients qui ont quitté la zone de Martissan, qui ont fui notamment vers le sud. Et à chaque déplacement pour venir se faire soigner au niveau de Martissan, c'est un risque qu'ils courent par rapport à leur vie. Et nous, on ne pourrait plus se permettre de continuer à travailler dans ces conditions. Direction sanitaire La Tibonite lancé week-end passé à une campagne vaccination contre coronavirus. Personnel sanitaire ak moun ki gen pour pipiti 50 l'année gen priorité dans cadre première phase campagne ça cap déroulé sous tout département La Tibonite la Exalus Mergena. Autorité sanitaire dans La Tibonite lancé officiellement campagne vaccination contre COVID-19 là dans l'hôpital La Providence Gonaïve vendredi 30 juillet, week-end passé, dans le cadre de campagne, il y a 2000 doses vaccins, société américaine Moderna qui est disponible d'abord pour personnel médical dans le département, avec les gens qui ont 50 ans et plus, qui ont priorité pour recevoir la première dose. Mercedes Philogène, c'est responsable campagne vaccination dans direction sanitaire, la Tibonite là. Dans la première phase, côté déjà, nous recevons seulement 2000 doses, nous concentrons sur le personnel santé. Focus en cible, c'est personnel de santé.
Naturellement, si il y a des monde de plus de 50 ans, 50 ans et plus avec qui fait tension, qui fait un sucre, des monde qui des maladies chroniques qui va mourir d'un moment à l'autre, n'a profité pour un monde. Mais il faut que ça l'a dit encore, c'est personnel de santé. Tout ça. Parce que il y a une première ligne. Il y a des contacts avec un malade, donc nous obligés, si quantité nous recevoir, nous commencer avec lui. Pour encourager tout le monde, pour un vaccin anti-Covid là, qui selon l'autorité sanitaire, n'a pas représenté aucun danger pour la population, plusieurs autorités politiques et sanitaires dans le département déjà recevoir la première dose de vaccin. C'est Capou, délégué départemental là, M. Enoch Géné-Génélus, directeur départemental santé, Dr. Marcel Châtelier, agent exécutif intérimaire, pour ne citer ça seulement. Tout le monde qui prend première dose vaccin anti-Covid là a retourné dans 28 jours pour deuxième dose là qui est déjà disponible selon Dr. Marcel Châtelier, directeur sanitaire de la Tibonitlan qui fait qu'on est un autre type de vaccin MSPP a bien pour recevoir dans le cadre de campagne là. Nous même autorité, si nous prenons enfants, nous parlons population par les états, pour que je dis que nous gagnons Moderna, de même que la de Pfizer, la de Johnson et Johnson. Nous faisons commande dans tout le monde à chaque disponible sur Moderna. Vous comprenez que l'on fait commande, et le printemps pour le fini, on veut la phase, parce que même vaccin de Moussao, il faut qu'on a tout le deuxième dosage qui est à l'acte. Campagne vaccination contre Covid-19 là a déroulé dans 5 sites qui l'ouvrent dans tout département, précisément dans l'arrondissement. Ces sites, nous ne disons pas, nous ne faisons pas arrondissement. Nous commençons avec l'arrondissement de Gonaïve, qui là pour 3 communes. J'avais dit site Gonaïve là, là pour vacciner 3 communes. Gonaïve, les Fleurs et nous. De même, Gomon a vacciné Gomon, Terre-Neuve, Osouji. Saint-Michel a vacciné Saint-Michel, Mamelan. Et c'est Marc Guéret pour vacciner. C'est Marc, Verret et La Chapelle. Après l'Ouest, la Tibonite, c'est département qui gagne plus cas infection à décès qui lié à COVID-19 là. Selon responsable DSA, il y a plus passé 1000 cas confirmés parmi eux, 36 décès qui enregistrés dans tout département la Tibonite là. Exalus Mère Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Je t'ai parlé en tout acteur, c'est le seul moyen pour attaquer et puis résoudre problème toute qualité qui peut déranger la société. C'est déclaration ministre qui tient communication à Jean-Emmanuel Jacquet qui félicitait tout acteur dans la vie nationale là qui montrait volonté pour continuer à processus dialogue là. Ministre Jacquet, by assurance, gouvernement a continué travail pour by réponse à ce problème yo et spécialement phénomène. Insécurité. En suivant extrait. Je dis à nous, une société extrêmement divisée, côté que et tel groupe monde fait partie de tel groupement politique, il ne peut pas parler avec tel groupe monde qui fait partie de tel autre groupement politique, pour qui ça? Et parce que le manque de conscience que le pays, ça, c'est pour nous. C'est vrai que nous avons des origines dans le temps, mais je dis à nous, partageons en tête, côté que nous tous besoin chita ensemble pour nous garder ensemble comment nous devons mener le pays. Parce que si bien garder tout problème, culte sécurité, culte et problème social, problème de santé, éducation, etc., tout problème ça a chita nos grandes bagailles, c'est chita, nous pas chita ensemble pour nous garder ensemble qui est bon pour nous. Parce que chaque monde pense que c'est une science là. Et tel qu'on pense que c'est une science là, c'est le cas de changer le pays. Ça. Bon, l'autre monde qui dit lui-même c'est une science là. Donc même parce que c'est mettre toutes ces choses ensemble, parce que c'est un problème de compétences qui gagne. Les énergies ont commencé à faire déjà, continuer à rencontrer avec ensemble d'acteurs politiques pour permettre que nous jouions. Et on peut d'entendre, on terrain d'entente qui peut permettre que nous retournions dans la vie normale. Je dis à mon pays côté que je ne zone même pas qu'à fréquenter. Et sans nécessité, et pour le ministre a été signalé déjà, la question de la sécurité, d'ailleurs, nous avons époque. Et nous parlons prochain pour l'élection, ça veut dire qu'on a besoin de résoudre le problème de sécurité, problème de libre circulation qui est, je dis à nous, pas qu'à ce cafou et venir et pas au prince. Donc ça, c'est une priorité du nouveau gouvernement, ça, créer un climat serein, côté que nous nous sentions en confiance et nous avons retourné faire l'État en confiance et nous applaudissons des secteurs qui, je dis à, ont nécessité
pour Chita, parce que des secteurs qui étaient plus ou moins réticents, je dis à eux d'accord pour Fono Chita, Chita, et nous encourager tout notre secteur parti politique et leader politique pour Chita, pour nous garder ensemble comment nous capables de jouer nos terrains d'attente, parce que plus que jamais, le pays a besoin, je dis à pour Haïtien, Chita ensemble, pour nous éviter au même notre catastrophe. Dialogue là, il est nécessaire, il est incontournable. Moi-même, ou en pessimisme, ou en optimisme. C'est que le dialogue là, il est fait pour faire, il continue à faire. Et ceci, et nous voyons que bonne volonté, bon côté gouvernement, et bon côté chaque munition, nous discutons ça déjà, et pour tout le monde, de façon pâle, les ouvrir et porte là, les ouvrir et couloir pour permettre que chaque monde capable. Jouer un espace par, jouer une place li et dans la société, là, pour lui faire passer science par là tout pour nous garder ensemble. Moi, je pense que le dialogue là est nécessaire. Et je ne pense même pas s'il va faire. Je pense que c'est un bagage qui est fondamental qui l'a pour le faire. Directrice Commission Affaires gouvernementales et civiques, Jeune Chambre internationale, Emmanuela Laguerre, invité population dans deux journées de conférence, jeudi 12 et vendredi 13 d'août 2021, dans la bibliothèque municipale d'Elma. Série conférence ayo entraînant cadion 15 activités JCI a fait pour aider les jeunes engagés au plus dans les affaires communautaires. Un extrême micro, Rachel Saint-Fort. JCI Haïti établit un calendrier pour lui chaque année dans le plan d'action sorti premier pour arriver 14 d'août. Pour l'événement, si tout OLM qui c'est organisation locale membre, il doit tenir une série d'activités qui prennent pour mission mobiliser plus de jeunes à engager dans le mouvement social, une façon pour porter un changement positif dans la société. C'est d'ailleurs mission si là, JCI by tête li. Qui sait offrir jeunes citoyens actifs opportunité pour créer un changement positif dans la communauté. Je nous dis là, c'est jeunes citoyens actifs qui sont capables de porter un changement dans la communauté. C'est dans ce ça, 15 ans qui a débuté là, c'est pour nous une nouvelle occasion pour nous arriver à mobiliser plus de jeunes à engager. Surtout, je nous constate la situation du pays. En plus, jeunes perdent espoir. Nous-mêmes dans le JCI, nous croyons un partenariat pour nous capables de faire plus d'impact. C'est dans l'idée ça, Anessa, nous mettons tête nous ensemble à Leader de demain, qui est un instructeur social qui a travaillé sur leadership, entrepreneuriat, développement personnel et collectif. Nous groupons nous, Anessa, en baptême citoyenneté active et lutte contre la désinformation en ligne. Nous sommes capables de remarquer les derniers temps, l'information circulée en pile sur les réseaux sociaux, bon ou mauvais. Diffusion d'informations représente gros danger et puis qu'a alimenté propagande avec discrimination et manipulation. C'est dans ce sens, nous avons retourné dans quelques médias pour nous plus bien comprendre l'enjeu et l'impact de nouvelles technologies d'information et communication gagnée sous diffusion d'informations. Qui mécanisme qui permet de traiter l'information qui arrive à joindre, en plus, qui gens assure de fiabilité d'information. Jeudi 12 d'août et vendredi 13 d'août, nous avons organisé deux gros journées de conférence dans la bibliothèque municipale d'Elma entre 11h et 2h. Nous invitons le public là et les médias qui viennent participer dans le gros bois de l'idée. Premier jour de conférence, là, intervenants ont attiré l'attention sur TIC, qui est technologie, information et communication. Et puis citoyenneté. Deuxième journée, c'est sous citoyenneté et éthique numérique. Nous voulons envoyer un message par toute notre structure sociale pour impliquer davantage dans offrir une possibilité pour venir acteur pour changement. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin chercher pour lui. D'accord. Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.